Bah, la Ligue. Nous gagnons le commissaire gouvernement Port-au-Prince et qui est en ligne avec nous, Maître Jacques Lafontaine. Maître Lafontaine, bonsoir, comment vous êtes? Bonsoir, Mano, bonsoir, Scoop FM. Et bon, et commissaire, nous avons Villa Livre Manchot par rapport à une vidéo qui est virale. Et pasteur Amel Lafleur dans la vidéo ça il a fait l'a tenté fait hein, éducation sexuelle fidèle et donc vidéo ça a pas laissé indifférent et comme chef de poursuite oui quitter nous indifférent et parce que d'abord il traduit en infraction qui punit par la loi pénale à travers les dispositions de l'article 200 83 du code pénal et renforcé par le décret de 2005 relatif au régime d'agression sexuelle. Et je lis pour vous expressis verbis, si vous me le permettez. L'article 283 dit « Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur soit par des actes ou par des attouchements et qui sont susceptibles de nature à blesser la pudeur d'une personne, eh bien, Moussa a passible de peine de 6 mois à 1 an d'emprisonnement. Donc, nous, c'était à bon droit pour pas qu'il ait été convoqué à ce Flamel demain matin pour nous attendre sur comportement et agissement sérieux. Et m'a dit que nous sommes dans une société, et je reprends le mot de l'ancien président d'Haïti, Sonny Vincent, dans un ouvrage de grande notoriété, mais très peu connu en Haïti, et qui est publié par l'historien, éminent historien, Soukar, Michel Soukar. Le livre est titré « Le glissement de la nation ». Donc la nation se glisse. La nation se perd. La nation est au bord de la déroute. Nous sommes en période de défaillance en matière de moralité. Nous avons le créabilitisme qui a frappé nous, qui n'a pas quitté nous un travail. Nous sommes inopérants, nous ne sommes pas opérationnels sur le plan professionnel. Donc, je veux dire, quitter, ajouter à question bandit, ça, bandit tout le monde, pour que un pasteur qui dépositaire de la vertu morale, de l'éthique, de l'exemple, pour que lui a pas fiché de pareil comportement. Donc on dit c'est trop, c'en est trop. Voilà pourquoi là, le parquet du Port-au-Prince était résolument convoqué pasteur pour demain matin pour être capable de comprendre l'agissement et pour que nous capables de dire mais ça l'a dit et mais ça capteur n'est pas belle. Donc, nos invitations, c'est pour demain matin, et commissaire? Oui, c'est pour demain matin, dès 10h du matin, dans le calou qui, sous la lia PIBA Immigration, que nous partageons avec OPC et le tribunal du travail. Ok, oui. Donc nous allons essayer de comprendre l'agissement et ça qui arrive, et si que les fautifs, hein, et la justice a bien pour faire ce que de droit. Oui, tout à fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour l'instant, il n'est plus d'attendre. Et après l'audition, au moment de l'audition, nous allons gagner de plus d'informations. Puis, l'élément qu'on a mené, on apprenait quel comportement adopter par rapport à comportement pasteur Amel Lafleur. Et donc, décision ça, au point comme commissaire du gouvernement, et est-ce que c'est par rapport à société à qui plaint en pile, hein, le fait que c'est comme ça passé dans l'église, hein, qui t'a donné une entité morale, et est-ce que c'est voie société à autant de... Ouais, écoutez, moi-même, c'est mon avocat société, hein, c'est le premier avocat société, hein, parce que je suis avocat de la société. Mon société, il faut me travailler pour lui. Que nous devons voile, que ces voies vont dépasser d'abord, tout ceci nous vient au même. Ok. Alors, commissaire, est-ce que décision pour convoquer pasteur Amel Lafleur là, il n'y a pas gain rien pour avec accusation de viol, il y a qui sous-dole déjà?
Non, non, il n'y a pas de pouvoir avec lui. Et parce que fait ça, ben, il n'y a pas beaucoup jugé pour lui. Mm-hmm. Je crois que c'est une affaire qui, la Cour d'appel a connu, par contre, qui date, qui portait à la connaissance de la Cour d'appel présentement. Donc, il est beaucoup jugé pour lui. Donc, ben, ce n'est pas pour question ça, mais c'est surtout pour question attouchement et acte ça, on l'a posé, moyen, corps, leur femme, et en public. Donc, ça, les nouvelles, ça, ils ont outrage public à la pudeur. Mm-hmm. Mm-hmm. Et l'autre question, et commissaire, et dossier violé Pasteur Lafleur là, il était doué PD dans le tribunal et dans la cour d'appel. Donc c'est le mois de novembre 2021. Hein, oui. Accusé à lui-même n'est pas présenté. Et dans l'éventualité, il n'est pas présenté devant parquet à demain si Dieu veut. Et qui suite n'a pas dossier ça? Et n'a considéré automatiquement son comportement qui est réfractaire à la loi, il a perdu avantage de la lumière sur ça. Mm-hmm. Donc, lorsqu'il a perdu avantage, ça veut dire qui ça, commissaire? Ça, il n'est que d'attendre, on va voir. Attendons voir si la manifeste son refus à se présenter au parquet. Et ça, on connaît de quoi il en est. Uh-huh. Bon, l'autre dossier, commissaire, nous est le ministère de la Justice. Hein, et accordé un peu l'importance à nécessité pour que commissaire gouvernement yo bataille contre détention préventive prolongée. Hein, oui. Et qui j'en saillé dans la juridiction? Non? Oui, effectivement. Ma preuve pour nous, sans aucun élan dithyrambique, et m'a dit que les Jacques Stéphane Alexis, ils vont passer à l'âge, ils te demandaient, lorsque la remette le pouvoir aux femmes, le Sahara n'a pas gagné des voix réelles. Et il y a un artiste français qui chantait qui dit, tournons le monde aux femmes. Donc, nous avons une femme qui fait, qui fait l'histoire en Haïti, qui occupait un poste régalien, qui s'est ministère de la Justice. Et avec le même on souffle qui va là, et moi-même senti ma lèvre avec un centre de mon travail, et en tant que chef de la police pénale. Donc depuis, après son intronisation comme ministre à la Justice, il était bail des institutions claires, en réunion statutaire, il y a avec 18 commissaires, il était mis l'accent sur le combat contre la détention préventive prolongée. Donc nous autres, nous embarqués dans ce projet, et nous ensemble, pour nous bailler à Bécana, bailler résultat, que tout le monde attend. Et depuis la fin du mois, nous avons commencé l'audience correctionnelle habeas corpus. Et nous gagnons le 19 décembre, nous avons commencé par ordonnance du doyen qui était ouvert à l'audience criminelle. Et nous gagnons à date 89 personnes qui rejoignent libération et qui allaient trouver famille. Donc nous avons dit que nous avons continué après la fête de fin d'année, naturellement après les rois, et soit le 9 janvier, pour nous continuer à audience criminelle, pour nous capables d'attaquer le problème de détention sans justice. Donc c'est une préoccupation, Père Marie-Langue, mais tout vous dit que, depuis tout petit, il attendait détention privative prolongée, hein, de pas chercher le résultat. Donc nous avons pris le mot et fait confiance en travail ensemble avec tout le substitut mieux, avec Boyen, Canard, avec tout le juge qui montrent nous là, nous déterminer une volonté de travail pour être capable ensemble de manier une question sage sans eux. Et l'autre question et commissaire et Darius. Et commissaire, il y a deux voix qui toujours appelé dans la société et les deux mondes joignent les libérations. Et dans l'idée pour désengorger prison yo, hein, pour finir avec les détentions préventives prolongées, il y a voix toujours levé dans la société a, qui dénonçait des actes de corruption et qui garantit, et par exemple, je dis à la, et nous cabaye, mon captain de yo, auditeur yo, et donc, des masses à yo, y a pas qu'un, il y a une corruption là-dedans qui garantit une cabale. C'est une très belle question. Écoutez, maintenant, la fonction de juger appartient au juge en siège, juge de siège, d'accord? Donc, nous-mêmes, nous faisons office de ministère public, commissaire gouvernement sont partis au procès, d'accord? Ils sont partis
comme la partie de la, comme la défense, comme le conseil de la défense. Donc dans celui-là, son audience qui est publique, le public, tout on a brûlé. Donc si on ne connaît les corruptions que lui dénonce, si on ne connaît Jacques Lafontaine, lui prend corps dans le monde pour capable de libérer le monde, mal qu'elle dénonce. Et qui vient à preuve de ça. Et maintenant, même Abdou Tout, journaliste qui pose une question, et que ce n'est pas toute voix qui levait pour qui gagnait importance dans la société. Il y a des voix, c'est des voix pernicieuses. D'accord, c'est des voix pernicieuses qui l'a fait des travail pour pour décrédibiliser le monde. Ou un système là. Donc, voir ça, c'est pas des voix. Nous, quand on est à côté, voir avec eux, à côté, voir avec eux, on y fait confiance. Donc, l'essentiel, c'est que le travail continue. Le travail, j'aime le travail, pour nous capables d'avoir satisfaction avec le plus grand nombre. Parce que je vous dis, là, vous êtes en prison, vous êtes détenu pendant 10 ans, pendant 8 ans, pendant 9 ans, pendant 10, 12 ans. Et ça m'a dit, voilà, étonnant. Bien, vous là, mal dispensé là, vous êtes en prison, qui gagne 18 ans en prison là. Donc c'est là qui est extrêmement grave. Donc il faut nous un moyen pour être capable de permettre que nous avons jugé, parce que c'est pas peut-être on a c'est pas on ne peut pas juger, nous là on a été pour juger. Et ça c'est des garanties judiciaires et, qui gagnent par rapport et, à traité international que Haïti solidaire de nous et le signataire de nous. Donc maintenant on nous allons ensemble pour le travail, mais en même temps maintenant le même journaliste maintenant qui est tout dans la prison. Dans le DCPJ, le commissaire a demandé est-ce que qui est-ce qui fait corruption n'a pas rien même pour libérer le mal. On laisse à nous-mêmes, on promet, on fait rapport et moi-même tout, on a pas telle mesure qui est appropriée à ça. Et alors, et nous avons une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui montre au même commissaire qui procédé à la libération et environ 8 prisonniers. Et première question, Mando, est-ce que les vidéos, ça, sont vidéos qui récentes? Et si oui, et qui ça justifie la décision de libération, ça? Oui, les récentes, nous remontons à 31 décembre 2022. Nous allons au commissariat pour le prince, et ensemble avec le responsable du commissariat et le responsable de l'investigation, le responsable commissariat, M. Dumont, policier, commandant Dumont, et M. Bosler, ensemble, nous avons gardé le cahier, mais concrètement, nous avons un monde qui a libéré des gens qui n'ont pas de infraction grave, ils n'ont pas de bandits, ils n'ont pas de zame, ils n'ont pas de zame, ils n'ont pas fait viol, ils n'ont pas tué les gens. Donc, c'est des gens qui ont une infraction simple et nous avons choisi de procéder immédiatement à la libération. Et nous avons fait de manière claire, publique, et tout le monde dit ouais. Donc, si le monde qui était dans. Nous-mêmes, nous répétons toujours. À haute et intelligible voix. Les bandits n'ont pas le droit de citer dans leur juridiction. On m'a dit, arrêtons, vous et moi, je vais dans la prison pour me poursuivre comme ça doit, et vous allez juger par le droit qui te doit. Donc nous ne pouvons pas coller les verres pour la bandit, nous ne pouvons pas coller les pantalons à la bandit, nous ne pouvons pas coller les têtes à la bandit, on m'a dit, n'a poursuivi jusqu'à leur dernier retranchement et avec la plus grande rigueur de la loi. Bon, et commissaire, par rapport à les personnalités qui font objet de sanctions et Canada ou bien les États-Unis, est-ce que vous saisissez les dossiers ça, puisque nous avons l'autre commissaire dans l'autre juridiction qui commençait, qui fait appel hein, et à comparution et dans le cadre même dossier ça? D'accord. J'interviendrai sur ce dossier en temps utile. En temps utile? Merci beaucoup, commissaire Lafontaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi de vous remercier de ce que nous m'en parler dans le micro. Voilà. Et commissaire Jacques Lafontaine et Dario, et commissaire gouvernement et Port-au-Prince. Et avec lui-même, nous avons gagné un petit bas de boussa autour de l'invitation et les faits avec Pasteur Ramel Lafleur. Il précisait l'invitation, ça va rien pour eux avec accusation de viol qui vient sur le dos là. Mais c'est par rapport à vidéo ça et d'ailleurs qui viral hein, sur les réseaux sociaux là et côté que pasteur a fait éducation sexuelle hein, avec et pour, bon oui pour Fidelio ou elle il m'a aidé peut aider
li beau et il m'a été il montrer qui position et pour mon yo fait donc yo dit c'est petite li oui petite li parce que ouais petite li bon par contre si c'est petite li mais elle parlait de et son petite li mais en pile il y a quatre petites on peut essayer là dedans et ben ça suscite vraiment pile réaction sur les réseaux sociaux et il y a des monde qui dit et bon c'est petite li il a fait ça lui à petite li il y a monde qui qualifie ça d'inceste etc. donc il y a un véritable débat et agissement ça alimenté sur les réseaux sociaux donc il était important pour le commissaire gouvernement lui même chercher comprendre premier comportement monsieur, il y a des gens qui considèrent comme une tête pas droite. En tout cas, moi, ça qui plus préoccupé dans la question ça, c'est le comportement et de monde qui ont même l'église, qui est toujours entré dans le dossier ça tête en bas. Hein? Tête en bas. Puisque vous avez toujours pris défense, c'est pasteur. Hein? Et dans la question accusation de viol qui était sous le pasteur, vous avez toujours défendu le pasteur. Et pas oublier, non? Pasteur n'est pas à son coup d'essai. Ouais. Donc son pasteur et non le cité dans pile bagarre, il est toujours fait de bail et dans l'église lui qui toujours crié et le problème donc qui toujours fait pile parler dans la société hein au jeune pasteur ça il qu'on mettait ses campé mettait bag dans droite yo hein sous chair donc c'est l'aile là dont monde là bas c'est à droit pour le marier pour le bagage Jésus là un de monde de jeunes garçons qui dans l'église pasteur hein? Et qu'on a passé courtiser de jeunes filles parce que tu as mis des jeunes garçons derrière vous ça donc c'est le bail qui fait problème mais malheureusement je vois deux monde qui toujours supporter pasteur et en dépit de tout hein et on va connait vraiment et qui ça pasteur ça lui-même le bail monde ça ou Emmanuel. Yeah. Bon, en tout cas, c'est sur notre ça, nous mettons en bout avec l'émission. Merci tout le monde qui tape de nous. Nous sommes très contents pour nous être ensemble avec vous. Rendez-vous demain pour l'autre show. En débattant l'autre gens, critiquer, proposer, en boucanter la parole sous